Wesh les mecs, j'espère que vous allez bien. Il est bientôt 4h du matin. Nous sommes en direction de la gare de Lyon à Paris. On part à gare de Lyon pour prendre le train pour aller à Marseille. Et Inch'Allah, on rate pas le bus pour aller à la gare. Parce qu'on s'est réveillé à 3h30 juste pour ça. Et si on le loupe, la bagarre, meumeu. Bon les mecs, là c'est bon, on vient d'arriver à gare de Lyon. Bon les frères, après une heure et demie d'attente, c'est bon, on est enfin dans l'avion. Il y a eu un truc avec l'enregistrement, je sais pas si vous m'entendez avec le masque, mais il y a eu un truc avec l'enregistrement, ça a totalement bugué et on a attendu 1h30. Ok, 1h30. Là on s'apprête à partir. Youhou ! Ah, première personne les frères. Il est monté dans ma voiture aujourd'hui, première fois. Alors c'est comment ? La classe. Et en vrai tu te débrouilles. Un petit peu. En vrai. Et là, voilà qu'il a eu totalement peur les frères. Je vous jure, il est monté. Il a eu la peur de sa vie. À un moment on a dû faire un virage à gauche. Je vous jure, il a pas compris pourquoi je me suis arrêté. Il s'est pissé dessus. Bref, là du coup on va récupérer Soso et qui est ToSpeak et qui est la modératrice de ma chaîne. On va aller récupérer Satan et qui est le crack. C'est le crack. Ouais, c'est vraiment un crack. Sartre, tout ça, c'est un crack. Bon les frères, Joxa il vient de monter dans la voiture là. Joxa, tu te sens comment là? En sécurité ou pas? Ça va, tranquille. T'es un peu en sécurité genre? Ouais. Quand j'accélère un peu, ton cœur il accélère un peu aussi ou pas? Beaucoup frère. En vrai? Voilà. Et ça toi? Frère, moi je tiens ma vie. Je vais pas te mentir. Ok, petite note sur 10 sur la conduite, petite note sur 10 genre. En vrai c'est clean. Petite note sur 10. Ouais, j'ai un bon petit 8. Ça? Ça, c'est ça. Ok, et toi Joxa? En vrai clean, je pense. 7-8 ans. Un petit achat, je me suis fait un petit kiff, j'en avais aucun. Et vas-y, tu sais, t'as capté, ça peut être drôle en dessous. Là, il fait presque ma taille et voilà, il y a des giga munitions énormes. Du coup, ouais, en vrai, moi j'ai envie de l'utiliser comment? J'ai envie de réveiller des gens avec. J'ai trouvé mes potos juste là-bas, je sais pas si vous les voyez. Tous mes potos de la UMS Corp, tous là-bas là. Bientôt, ils vont passer à table pour l'Aïd. Là, on vient d'acheter quelques petits trucs. On a fait aussi du repérage pour savoir ce qu'on allait acheter pour la villa. Et vas-y, on a dit on allait finir sur un petit peu de karting, je pense. Parce que karting, j'aime beaucoup. Un sar, j'avais fait pour la première fois l'année dernière et j'aime beaucoup. Du coup, t'es déter ou pas? Trop. Pourquoi ouais? Non, vous, tu veux qu'on en fasse ou pas? Bah oui. Deux? Bah oui. Et pourquoi tu te barres du cadre? T'as peur? Tu vas pas mettre ça dans la vidéo? Bah bien sûr que je vais le mettre. Je vais pas le mettre. Ok, regarde. Tu m'écoutes? Sur la. C'est trop grave. Sur la vie de ma mère, je vais le mettre, c'est bon ou pas? Ok, t'es chiant. En fait, t'es quelqu'un de chiant. Tiens. Tiens! Arrête! Vas-y, tiens! Tu casses les couilles! Tu veux pas me laisser boire tranquille, genre? Trêve! Toujours boire toute la bouteille! Casse les couilles! Elles sont mes clés! Non, ça, elles sont mes clés! Un jour! Allez! Yacine, t'es chaud? Yacine, on va venir! J'ai dit Yacine! Ouais! Où t'as chauffé le karting, oulala! Maman, je veux que ça, t'es chaud ou pas pour le karting en vrai? Attends. Super. Maman. Bon, ça va? Sympa, ça va. Y'a rien de mal? Non, tranquille, je suis appelé ma mère. Ouais, carré, voilà, les parents. Du coup, t'es chaud pour du karting? Vas-y, un bon. Un peu? Ça va? Ouais. Tu l'as prévenu que t'allais faire du karting? Non, pas. Super, bon, allez, let's go! Voilà, le driver. Oh, je suis le conducteur de Formule 1. Champion! Oh, putain! Ça casse les couilles! Vous pouvez pas vous coller ici! Putain! Et voilà les frères, on est arrivé quatrième dans un quart double, ça veut dire qu'il pesait beaucoup plus lourd. Et on est arrivé devant Ilias et Samy, et ça, je sais pas comment c'est possible. Hein. Vraiment, il y a Joxa, Ilias, je sais pas comment ils ont fait pour être dernier. Hein. Non, vraiment, hein. Nous on était deux, ça veut dire le 4 était plus lourd, on est arrivé quatrième parmi les 7.
Oh Momo, focus. Ok, du coup les frères, ce que je viens de faire avec Yante et Shadow Boss, on a eu l'idée de justement faire un prank à nos communautés. On va leur faire croire que la UMS House c'est mort de chez moi, qu'il y a des gens qui se sont embrouillés et tout. Bref, je viens de faire des stories Instagram là. Yo les mecs, yo, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé pas mal de choses depuis hier. Et bon, je suis un peu triste parce que ça va pas pouvoir se faire. Je vais vous dire les raisons, je pense, demain, quand tout sera vraiment clair, quand on aura mis tout d'accord. Mais c'est mort. Actuellement, c'est mort. Faire un peu monter la hype et tout pour faire croire aux gens que c'est mort. Et demain, on va justement prendre une photo de nous trois, moi, Yante et Shadow Bass, et on va la poster sur les réseaux. Et voilà, on va justement annoncer que c'est officiel. On va faire la UMS House pendant 5 jours. Je suis trop content. Ça, je suis trop content. J'espère que les gens ils vont y croire. Et puis voilà. On se dit quoi? Alors, normalement, Yante et Shadow Bass, ils arrivent. Demain par avion. Du coup ça c'est lourd. Donc je pense que je vais aller chercher pour le vlog, ça va être drôle. Et puis voilà les frères. Les mecs j'ai trop le seum, regardez. Les mecs j'ai trop le seum. Y'a mon pote Johan. Donc si vous suivez mes lives sur Twitch, normalement vous le connaissez. Les mecs, Johan il commence à y croire de ouf. Putain non, il me fait trop pitié. Il me fait ça tout ça, c'est vrai c'est faux. Il me fait trop de la peine. Mais Skull by Dante sur Twitter, on m'a dit bah balancer des screens sur toi et Shadow. Parce qu'en fait les mecs, Johan, genre j'aurais kiffé pouvoir l'inviter à la villa, mais en fait il est pas au Maroc. Il peut pas venir au Maroc du coup. Et du coup, voilà, il me manque. Putain, non, j'ai trop la peine. J'ai trop le seum pour Jojo. Je te soutiens 100% dans le bail. Je me battrai contre les haters. On verra bien, mais t'as un intro prochain. Bien sûr que non. Oh là 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 là, j'ai trop. Oh là 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 là, Johan, quand il va voir la vidéo, il va voir la haine. Oh là 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 là. Les mecs, pour ceux qui savent pas, lui, c'est mon tout premier modérateur. Quand j'ai commencé les lives sur Twitch, que j'avais un viewer, c'était le premier. À m'avoir dit, salut, ça va UMS, tu voudrais que je modère pour toi? Regarde, ça fait 2 ans que je travaille pour toi, c'est pas pour te laisser tomber aujourd'hui. Oh là 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 là. Johan, je t'aime. Tu le sais ou pas? Je t'aime. Oh là 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 là. Mais il m'a fait, je te considère comme un frère. Je te défendrai comme je pourrais s'il y a un drama. Mais les mecs, un maximum de cœur dans les commentaires pour Johan, s'il vous plaît. Je le kiffe, oh là là, mais quel frère. Mais il y a aussi des munitions, les petites, genre. Ouais, ça va. Ok. Et du coup, je peux en mettre combien dans le truc là? Tu peux en mettre 3, mais genre tu mets les recharges là, les trucs là. Donc, non. La guerre. Ah! Ça fait mal ou pas? Non. Wesh! C'est trop satisfaisant. Hein. Ok, vas-y, bah quand t'es devant, juste appelle-moi, c'est bon? Ok, ça. N'hésite pas à m'appeler surtout. Hein. Allô? Allô? Ouais, n'hésite pas à m'appeler, je t'ai dit. Allô? Allô? Ouais, ok. Allô? Ok, c'est bon, à tout de suite. À tout de suite. Les mecs, on va l'accueillir avec un nerf, la vie de ma mère. Hein, que dès qu'il sort du taxi, c'est un pistolet à l'air. Ça part. Ouais, c'est un truc bizarre. Bah non, mais t'inquiète. Vas-y, frère. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Ça fait trop portrait. Ouais. Putain, ça sort de ouf. De ouf, mais ça fait mal ou pas? Mais je sens, de vrai que ça fait mal. Enfin, je sens. On peut mettre l'appareil photo ici, là, et on voit tout le monde. C'est vrai. Bon, les mecs aussi, papa? Papa, je t'ai toujours aimé, tu vois. T'as toujours été mon père, et enfin, logique. Et comment ça s'appelle? Et tu vois, genre, si tu vois que la voiture elle a un petit souci au niveau, tu sais, la portière à droite, bah dis-toi que ça arrive. Et puis voilà. Est-ce qu'il va répondre? Ah, voilà. Wesh, vous êtes où? On est là, dans rien. Ok, ah, vous avez pas encore vos valises? Non, pas encore. Vas-y, on vous attend dehors. Vas-y, à toutes. Oh, les stars du net. Oh, les stars du net. Vas-y, on les chase. Ah, il faut les mecs. C'est bon ça, hein. Attends, c'est bon, qu'est-ce que t'as? Tu mets ta capuche au Dark Vador. Hein. Oh, putain. Voler le tien, voilà. Gros. Putain, tu mets ta capuche, il fait 40 degrés, wesh. Ouais. C'est un malade. Ça va, frère? Ah, on va. On a un beau travail. Ça va, les frères? Ah, Cameroun. Ouais, ça fait genre juste 30 minutes qu'on vous attend. Ça, c'est Satan. Heureux, ça. Bien sûr. Mais ou quoi? Ça fait 3 minutes, on vous attend. Mais ou quoi?
Les amis, nous sommes en voiture avec Nourdine, aka UMS. Enfin, frère, on va aller découvrir la villa. Nous, on va la visiter avant pour être sûr que tout est bien, qu'il y a tout, tu vois. Qu'il n'y a pas un bail où la piscine elle est divisée en deux, t'es là, tu ne sais pas où sauter. On va vérifier tout ça avant quand même que la UMS Camp la découvre. Parce que j'ai envie qu'ils découvrent la UMS House dans un bon état, tu vois. Et ensuite, demain, on leur fera la découverte. Donc, ils auront tous les yeux bandés et tout, ils vont tous la découvrir en même temps. Du coup, ça va être super lourd. Et puis, voilà. Donc là, vous ne la verrez pas dans cette vidéo, la UMS House. Vous la verrez dans la prochaine. Parce que on ne va pas vous la montrer tout de suite, simplement. Allez, à toutes. Allez. Bon, les frères, on vient de voir la villa. Maman mia, wesh, elle est incroyable. En plus, le mec qui, le mec chez qui on l'a loué, il est juste. Mais tellement sympa, il t'a offert un café, mec. Ouais. Il lui a offert un café avec un du sucre. Bon café. Il lui a offert un café avec du sucre, les frères. Qui fait ça, wesh? Du tout là. Non, ok, c'est bon, fixons tout ça, ok. Bon, les frères, là, on va enlever leur bandeau. Ok, c'est bon, tu filmes là? Ouais. Bon, 3, 2, 1, les frères. Et c'est bon pour enlever.